Bonjour, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Chavada avec Jack, Jack Pisis. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche après-midi où j'ai le plaisir de recevoir Pierre Perret qui rentre, Pierre Perret qui rentre d'Irlande. Vous étiez à la pêche a été bonne. Ouais. C'était du gros, du lourd. Du gros. Des beaux saumons, des belles truites. Ah ouais. Et un beau soleil en plus. C'est paradoxal parce que tout le monde pense qu'il pleut tout le temps, tout le temps en Irlande. C'est faux, il fait beau en Irlande et c'est un beau pays. C'est aussi beau que la Corse. Patrick Fiori qui lui, justement, rentre de Corse, arrive tout droit de chez lui, de sa montagne. La chance d'être, bonsoir tout le monde, la chance d'être, avoir la mer devant et la montagne juste derrière. Donc en fait, j'ai deux éléments complètement magnifiques. Et la pêche a été bonne aussi pour Patrick, qui est déjà disque de platine, voilà. Avec l'album Les choses de la vie. Et puis j'ai le plaisir aussi aujourd'hui de vous faire découvrir Carmen Maria Vega. C'est la première fois qu'elle passe à la télévision. C'est une personnalité étonnante, elle vient de Lyon. Et elle écume les salles de concert depuis maintenant près de 5 ans, non ? Tout à fait. Voilà, et vous allez découvrir son titre, Lamenteuse, qui est assez amusant et qui va sûrement beaucoup plaire à Pierre. En fait, vous vouliez tous Jacques Brel. C'est voilà, la première fois que ça nous arrive. Mais comme Patrick a été le premier, c'est Patrick qui a gagné Brel. Mais vous pourrez évidemment chanter avec lui. On aurait été tous partants pour Jacques, de toute façon. Parce il fait toujours l'unanimité, ça c'est sûr. Vous l'avez rencontré, vous ? Oh bah, c'était un vieux copain, oui, ouais. Bien sûr. On avait fait à peu près les mêmes boîtes, le Port du Salut, l'Échelle de Jacob, le Tire-Bouchon, etc., les Trois Baudets, enfin voilà quoi. Ce qui était le cas aussi avec Bobby Lapointe, qu'on a un peu oublié aujourd'hui et que vous allez nous remémorer, puisque on vous allez chanter du Bobby Lapointe. Il y en a encore qui l'ont plein dans le cœur, on l'oubliera jamais. Et puis, Carmen a choisi Jacques Dutronc. Bah, d'abord, c'est plutôt l'homme, le personnage, le côté un peu dandy, nonchalant et impertinent, surtout pour l'époque, quoi. Les chansons que j'ai choisies sont celles de 70, donc c'est cette période-là qui était intéressante à mon goût. Alors, comme vous aviez tous envie de chanter du Brel aujourd'hui, on va tester un peu vos connaissances avec un petit quiz Jacques Brel. Première question, quelle est la chanson qui commence par ces paroles ? Le cœur bien d'eau chaude et les yeux dans la bière. C'est pas Amsterdam, non. Non. Mais c'est une chanson qui concerne une catégorie de gens qu'il n'affectionnait pas. Oui, les bourgeois. Oui. Voilà, les bourgeois. Oui, c'est ça. Bravo. Alors, plus les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus on les... C'est quoi déjà ? Plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons. Plus ça devient vieux, plus ça devient... Bon, lui, il le disait pas. Con. C'était des cons. Il le disait pas. Le totem de Jacques Brel quand il était louveteau. Est-ce que vous connaissez le surnom que portait Brel quand il était louveteau ? Ah, il faisait rire tous ses camarades et c'est pour ça qu'on lui donnait ce surnom. On l'appelait le phoque hilarant. Oui. Ah ça, je savais pas. Voilà. Le phoque hilarant, c'est assez étonnant parce que l'image que nous, on peut avoir de Brel, c'est plutôt l'image de quelqu'un d'assez sérieux, d'assez tourmenté. C'était le contraire, Thierry. Il faisait rire tout le monde. Il passait des nuits entières à raconter des histoires avec des gens qu'il ne connaissait pas. Et il avait une phrase extraordinaire. Il dit « Je ne crois pas en Dieu, mais le seul moment où je prie, c'est quand je suis en voiture avec Johnny Hallyday. » Patrick, pourquoi Brel ? Brel, parce que je fais partie de cette génération de gens qui ont grandi avec lui. Moi, je pense que cet homme et d'autres, mais ils sont tellement peu, m'ont vraiment donné envie de chanter, envie de faire ce métier-là. Parce que quand je voyais l'expression de son visage, quand je sentais la chaleur de sa voix et le poids de ses mots, quand je regardais ça devant mon petit écran à la télé, alors qu'à ce moment-là, quand Brel passait, j'étais pas interdit de télé, je sais pas pourquoi, ben voilà, j'étais transporté. Donc Brel, je ne connais pas sa vie et je ne connais pas son histoire, mais en tout cas, les histoires qu'il m'a racontées, ça, je les oublierai jamais. Comme par exemple, cette histoire qui s'appelle « Quand on n'a que l'amour ». Quand on n'a que l'amour, oui, c'est une de ces histoires. Donc j'aimerais bien vous en chanter un petit bout, si ça vous en dit pas. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour,
mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour. Merci à Franck et merci aux musiciens de Chabada et à Yannick Hunier qui assure la direction musicale de cette émission. Cette chanson, Patrick, c'est le premier succès de Brel, le Grand Prix de l'Académie Charles-Cros 1957. Et quand il a reçu son diplôme, il a dit « J'ai débuté longtemps, pendant 5 ans ». Mais c'est merveilleux, quoi, parce que le poids des mots, enfin, après... on n'aime pas, moi j'adore, mais c'est le poids des mots, c'est l'écriture. À chaque fois, il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est un héritage incroyable. Il n'y a pas une lassitude à chanter Brel? Parce que quand même, ça fait des années maintenant que dans les karaokés, dans les émissions, on demande de rechanter Brel partout. Ce qu'il a réussi, c'est ce que souhaiteraient certainement des milliers d'artistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus là et on continue à le chanter. Donc, que vivent longtemps les karaokés, que vivent longtemps les émissions de télévision pour qu'on puisse chanter Brel, parce que de toute façon, c'est une référence, point. On continue alors. On continue avec Amsterdam, qui est la deuxième chanson que tu as choisie. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des bergements. Dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui meurent pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Et dans le port d'Amsterdam, y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océans. Il a tout dit. Carmen, je sais que toi aussi tu aimes beaucoup Brel. C'est pour la même raison, pour les mots, la force. Entre autres, si, parce que moi je suis pas auteur-compositeur de mes textes, donc j'admire beaucoup les auteurs-compositeurs, lui particulièrement. J'ai pas été vraiment bercée dans la vraie chanson française dans ma jeunesse, donc j'ai découvert un peu sur le tard. Et c'est vraiment lui qui m'a fait aimer aussi le boulot d'interprète, parce que c'est super rare de trouver un auteur-compositeur qui est aussi un super bon interprète. Et on avait beau lui dire qu'il en faisait des caisses. Enfin non, il n'en fait pas des caisses, quoi. Il est super juste. Mais c'est vrai que sur scène, c'était incroyable. D'abord, avant d'être en scène, il vomissait dans sa loge tellement il avait peur. Et pour s'occuper, il cirait ses chaussures, il s'échauffait le corps comme un danseur classique avant un ballet, et il se persuadait à chaque fois pour rentrer en scène que ce serait son dernier gala, qu'il fallait tout donner encore une fois et savourer cet instant de faire partager au public sa fougue et sa passion de la vie. Et après 45 minutes de chanson, car il ne chantait jamais plus, il avait perdu 800 grammes tous les soirs. Pierre peut en témoigner. Et alors au début, on se moque quand même un peu de ce grand belge dégingandé qui arrive dans la capitale. Même dans sa famille, je crois que la force, la violence de ses textes, de ses chansons faisait un peu douter quant à son avenir. Et on va voir des images où Jacques Brel parle justement du talent, juste avant qu'il ne fasse ses adieux à l'Olympia. Puis elle meurt à petits pas, à petit feu, en petit tas, les bigotes. Moi, quand j'ai débuté, je savais que j'étais une vedette. C'est les autres qui ne le savaient pas. Qui cimetière, à petits pas, au petit jour,
d'un petit froid de bigote. J'ai bousillé beaucoup de choses pour n'être que ça. Je ne soigne que mes rêves. Je n'ai jamais réussi à soigner très sérieusement mes légumes et mes intérêts. Mmh. Alors mes rêves, je m'en occupe. Dans le ciel qui n'existe pas, les anges font vite un paradis pour elles, une auréole et deux bruits d'ailes. Et elles s'envolent à petits pas de bigote. Moi, je préfère mourir, enfin, m'arrêter un jour quelque part, en ayant raté des choses, qu'en n'ayant pas essayé des choses que j'avais envie de faire. Ça me paraît plus... ça me paraît mieux. On continue avec Nathalie Lhermitte, que je suis ravie d'accueillir, pour chanter Brel. Bonjour Nathalie, comment ça va? En ça forme va super. Aujourd'hui ouais. Alors vous les voyez là tous les trois, Aurélien Noël, Jacques Pessis, Nathalie Lhermitte. Ils font sur scène un spectacle sur la vie de Jacques Brel, donc ils connaissent particulièrement bien Brel. Et Nathalie est très douée pour chanter Brel, ce qui n'est pas toujours très facile, je crois, non Pierre? Il y a des difficultés. Nathalie est douée entre autres pour chanter tout. Il y a une chanson qui est particulièrement difficile à chanter dans le répertoire de Brel, c'est la valse à mille temps. Vous y êtes déjà essayé? Ah, c'est l'enfer, non, c'est une valse. C'est déjà Carmen, Bobby Lapointe, c'est quelque oui. chose, mais non, la valse à mille temps, c'est l'enfer. C'est un enfer, Patrick? C'est un enfer. Nathalie. Florent Pagny avait fait un album magnifique avec les. Il l'avait fait, la valse à mille temps, dans l'album? Attends, tu l'as bossé, tu vas nous la chanter? Toi, oui. Ah non, moi, je ne vais pas la chanter, là. Non. Allez. Et comment on fait pour respirer dans cette chanson? On respire quand? Mais on ne respire pas. Non, on s'inspire. D'accord. C'est plus ça. Alors on y va. Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour, il y a moi. Une valse à trois temps. Qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant une valse à quatre temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans. Une valse à cent ans, une valse à cent ans, à chaque carrefour d'un pareil que l'amour après jusqu'au printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, de passer tes vingt ans pour que tu aies vingt ans, il faut que j'ai vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, pour que les amants pour que nos matins de bâtir un roman. Elle l'a fait. Ouais. Mais lui aussi, hein, il joue vite aussi. Hein. Bravo Nathalie. Hein. Merci. Ouais, vraiment. Bravo. On s'est souvent demandé pour qui il avait bien pu écrire « Ne me quitte pas ». Alors, en 1955, il est en tournée avec Suzanne Gabriello, fille d'un chansonnier, qui anime la tournée. Et il va passer cinq années turbulentes, Pierre ne peut pas me contredire, avec Suzanne Gabriello. Et c'est pour elle, entre rupture et retrouvailles, qu'il va écrire « Ne me quitte pas ». Elle est revenue quand elle a entendu la chanson? Elle est revenue, elle est repartie plusieurs fois. Alors, elle affirme... Elle a c'est affirmé... comme ça les femmes. Hein. Oui. Elle a affirmé que c'était pour elle que Brel avait écrit la chanson, ce que Mich, la femme de Brel, a démenti. Mais ça, c'est une autre histoire. Patrick, ne me quitte pas. Ah oui. on veut bien vous la chanter. Ensemble avec Nathalie. Oui. Ok. Ne me quitte pas. Il faut oublier tout. S'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et du temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
Alors, vous pouvez chanter avec elle, évidemment. Vesoul, par exemple. Tu la connais, Vesoul? Un petit peu, oui. On a voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. Tu veux chanter avec Nathalie? Mais je te le dis, je n'irai pas plus loin. Mais je te préviens, j'irai pas à Paris. D'ailleurs, j'ai horreur de tous les flanflans, de la valse musette et de l'accordéon. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. T'as voulu voir en fleurs et on a vu en fleurs. T'as voulu voir en bourg et on a vu en bourg. J'ai voulu voir en mer, on a revu en bourg. J'ai voulu voir ta mère, on a vu ta sœur. Comme toujours. Comme toujours. Il existe des images de cette chanson qui ont été tournées pendant l'enregistrement. Alors Jacques Brel arrive, c'est l'époque où il a les cheveux longs parce qu'il va jouer Don Quichotte. Il arrive en retard, il prend sa guitare, il commence à chanter. Et pour donner le rythme, il voit Marcel Azola, son accordéon. Et il dit « Chauffe Marcel » et ça a été improvisé. Et c'est un clin d'œil à Marcel Azola qui l'accompagne dans ce disque. Pierre, vous avez un regret par rapport à Jacques Brel ? De ne pas être allé à un rendez-vous, peut-être, un rendez-vous manqué. Oui, le regret, c'est quand on s'est quitté aux Grenadines après avoir passé vraiment une journée délicieuse. Moi, je venais d'arrêter de faire un break dans ma carrière parce que j'en pouvais plus. Je chantais 250 fois par an, c'était l'horreur. Enfin, je dis l'horreur. C'était merveilleux, épuisant, mais j'en pouvais plus. Et il était inquiet à ce moment-là. Il m'a dit, mais tu vas arrêter. Tu vas arrêter jusqu'à quand ? Il me dit, putain, mais reprends tout de suite. Il me dit, reprends. Il s'y voyait, tu vois. Il était mort à ma place, quoi. Reprends tout de suite. Il me dit, t'auras plus le courage. Reprends maintenant. Bon, et avant de partir, il nous a fait promettre avec Rebecca, parce que je lui dis, bon, je reprendrai pas avant 6 mois, de toute façon. Mais il me dit, avant, venez aux Marquises. Je lui dis, d'accord, on vient. Et puis, ça a repris tellement vite au retour, à cause de lui, que j'ai été forcé de lui envoyer un mot. Je lui ai dit, Jacques, écoute, on va venir, mais un tout petit peu plus tard. Et il m'a renvoyé une lettre tout de suite. Il m'a dit, ne tardez pas trop. Et je n'ai pas compris sur le coup. Et je m'en suis toujours voulu après, parce que... C'était trop tard. Bon, voilà, c'est un vrai regret, quoi, voilà. Carmen, on va faire ce qu'on appelle un vrai bizutage, c'est-à-dire que maintenant tu vas être chargée de remonter l'ambiance, puisque c'est ta Merci première Pierre. Télé. La chanson s'appelle La Monteuse. C'est la première fois que tu vas la chanter à la télévision, c'est de toute façon ta première télé. Oui. Donc on va l'écouter. La Monteuse, Carmen Maria Vega. Je mens passionnément à mes amis, à mes parents, en marchant à monsieur l'agent. Je mens tellement sans gênant, je fais croire que j'ai connu Brad Pitt. D'ailleurs la fin, une si grosse, enfin j'aurais su, j'aurais pas venu. En plus les pas si beaux tout nus. À mes amis rien que je mens, à mes amants j'ai tout appris. Finalement me disait Johnny que je t'aime. Toi t'as du talent hein. Je me suis dit, vaut mieux faire semblant plutôt que de passer pour une cruche. Je fais croire que je suis l'autre fille de Mitterrand. Et pour alimenter le mythe, c'est moi qui ai largué Johnny Depp. Et bah, il s'en remettra, bah, il est grand. L'été, il était chiant. À mes amis, rien que je mens. À mes amants, j'ai tout appris. Et même si c'est une vraie folie, c'est promis, c'est plus fort que moi. Je voudrais fuir, partir de là, être seule sur une île. Mais pas toujours, qu'est-ce qu'on veut? Ben moi
je mens, mais pas à toi. Parce qu'à toi je veux parler de moi. J'espère tu feras pas comme les autres qui rient et qui me montrent du doigt. Par quoi je mens, même si ça vous plaît pas bien. Vous qui faites comme si vous saviez rien. Au moins là c'est donnant, donnant. Je suis pas toute seule à faire semblant. À vous mes amis, rien que je mens. À mes amants, j'ai tout appris. Et même si c'est une vraie folie, c'est promis, c'est plus fort que moi. Bien sûr, je le sais, je suis pas débile, mais pour le moins fragile. Et si ça se pourrait, je voudrais pas finir à l'asile. Si bon, si bon, si bon, si bon, si bon, si bon. Je veux pas y aller là-bas, ça pue. J'en vends mon privé, j'en sais. Moi je mens plus depuis ce matin. Depuis que j'ai fait du chemin, je me suis dit que c'était vraiment nul. Et surtout que ça rime à rien. J'ai plus qu'à appeler tous mes potes, histoire de remonter ma cote. Et on rigolera comme avant, avant que je leur fasse perdre leur temps. À vous mes amis, rien que je mens. À mes amants, j'ai tout appris. Finalement c'est comme ça, c'est ma vie. Je vois pas comment faire autrement. Alain et Max. Carmen Maria Vega, donc La Menteuse, c'est un extrait de l'album qui s'appelle aussi La Menteuse. Pierre ? Elle a beaucoup de tempérament. Sacré tempérament. C'est, ce qu'elle fait là, c'est la chose la plus difficile, la fantaisie en chanson. Elle ne fera pas que ça d'ailleurs, parce que je la sens capable de tout faire. Mais bravo, voilà. Merci Carmen, avec toi on va évoquer Jacques Dutronc, mais fais pas ci, fais pas ça, qui est la première chanson que tu as choisie. Oui. Ça vient ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas ci, fais pas ça, ah dada. Pour te caler un cheval sur mon billet. Tête de mule, tête de bois, tu vas recevoir une peine. Qu'est-ce que t'as fait de mon peine, je ne le dirai pas deux fois. Tu n'es qu'un bon à rien, je le dis pour ton bien. Si tu ne fais rien de meilleur, tu seras meilleur. Fais pas ci, fais pas ça, ah dada. Pour te caler un cheval sur mon billet. Vous en faites pas les gars, moi aussi on m'a dit ça. Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé là. La la la, la la la, la 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 la, la 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 la, la la la. Jacques Dutronc, il a ce côté à la fois cynique et moqueur que tu dois bien aimer, non ? Ouais, ouais, ouais. Et puis un peu impertinent aussi, quand même. À l'école, un jour, justement, il est en classe de première et il monte, il va au tableau. Et puis le professeur lui dit, faites un trait sur le tableau. Quand il arrive à la fin du tableau, le professeur dit, continue le trait jusqu'à la porte. Il continue jusqu'à la porte, continue dehors. Il est sorti, il n'est jamais revenu à l'école. Ben voilà, je l'aime bien. Alors, les Playboys, évidemment, c'est une chanson que vous connaissez tous. Ceux qui, comme les castors, ne travaillent ni avec leurs mains ni avec leurs pieds. Avec quoi donc ? Ben tiens, avec quoi donc ? Cette chanson, elle est bourrée d'humour, évidemment. Et on va voir le scopitone de cette chanson, c'est-à-dire un peu l'ancêtre du clip. Il a été réalisé. Il faut pas oublier que M. Jacques Lanzmann, pardon, oui, si qui a écrit ça. A écrit bien sûr. La plus grosse partie des chansons évidemment. De Jacques, qui écrivait par ailleurs de fort belles musiques. Qui était très bien, très homogène avec les textes de Lanzmann, mais Lanzmann a quand même été quelqu'un d'important dans la carrière de Jacques. Voilà. Et un détail, c'est que Lanzmann a écrit cette chanson, le Playboy, mais le crack boom U, c'est Jacques Dutronc qui l'a ajouté. Normal. Pourquoi normal ? Patrick a dit normal. Normal. C'est normal, ben, c'est tellement le personnage, c'est tellement parce ça. Qu'il arrivé. Parce qu'il faisait ça tous les jours. Oui, c'est ça. Ouais. Crac boum U, on va le revoir donc, Jacques Dutronc, en train de faire crac boum U comme tous les jours. C'était en 1966. Il n'a pas arrêté depuis. Il y a les playboys de profession habillés par Cardin et chaussés par Carville. Qui roulent en Ferrari à la place comme à la ville, qui vont chez Cartier comme ils vont chez Fauchon. Croyez-vous que je sois jaloux? Pas du tout.
à mes genoux. Deuxième chanson choisie par Carmen, c'est L'Opportuniste. Oui. C'est assez étonnant d'ailleurs, c'est une chanson de 68, au moment où tous les jeunes sont sur les barricades, et lui, toujours, fin, crois, toujours le cynisme, après. Le détachement, et il fait L'Opportuniste. Oui, oui. Ouais. Ouais, j'aimais bien justement le côté je prends parti, mais je prends pas parti en fait. Ouais. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme. Parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Avec les félicitations de Pierre Perret, apparemment, Carmen. Bravo, musiciens, hein. C'est vachement bien, c'est du beau boulot. Beau boulot, les musiciens, c'est bravo. C'est beau travail, messieurs, bravo. Tu as écouté Jacques Dutronc J'ai écouté Jacques Dutronc, j'ai eu la chance qu'il m'invite un jour. Il y avait une émission spéciale qui partait d'Ajaccio, Marseille, Marseille-Ajaccio sur un bateau. Et donc, voilà, il m'a invité. Je crois que j'ai jamais autant bu de champagne de ma vie. Sinon, parce qu'il est, il est généreux, quoi. C'est quelqu'un de généreux. Et sinon, moi, bon, on s'est rencontrés à ce moment-là, mais j'ai peut-être lié un petit peu plus d'affinité avec Thomas Dutronc, que j'ai donc vu en Carmen concert. Carmen a fait les premières parties d'ailleurs, oui, des concerts. Tu l'avais moi, je l'ai vu en concert à Ajaccio. Ouais. C'était un régal. Je me suis éclaté. C'est vraiment un chouette garçon et qui a un talent immense, quoi. Donc voilà, c'est une très belle personne. Je me suis régalé de le voir en spectacle. C'était un punk avant l'heure, hein. Jacques Dutronc, on le disait tout à l'heure, il a inspiré plein d'artistes, David Bowie par exemple, qui a repris une de ses chansons. Et puis je pensais à Jacques Audiard, parce que je voyais que « De battre, mon cœur s'est arrêté », c'est une phrase d'une chanson de Jacques Dutronc. Oui. Ouais. Dans, et « La fille du Père Noël ouais. », que tu vas chanter maintenant. Oui, d'accord. De la scène bientôt. Je pense qu'on ira tous le voir. C'est une grande tournée de 50 dates à travers la France et il sera du 12 au 16 janvier prochain au Zénith de Paris. Et je me demande si Dutronc va faire comme jadis. Quand il arrivait en scène, il avait deux panneaux, un avec écrit « silence », l'autre « applaudissait ». Il avait des confettis qui jetaient dans le public et du papier hygiénique aussi qui jetaient dans le public. Et il disait de ses spectacles « c'est un voile d'ineptie doublé d'un tissu de vérité ». Ça donne des idées. Pierre, un petit peu comme Jacques Dutronc, vous aussi vous êtes un provocateur. Vous aimez bien voir jusqu'où vous pouvez aller. Dans la provocation, non ? Ben moi, je crois que j'ai tout fait. Hein. Ouais. Bah, le zizi, c'était déjà pas mal. Ouais. Dans tous les sens.
Oui, les deux derniers ou les trois derniers albums de chansons paillardes. Le plaisir des dieux. On peut pas aller plus loin. Les dieux paillards, ouais, plein de chansons paillardes. Et dans ces chansons paillardes, il y en a une qui s'appelle La Corinne. Et ça fait quoi, là? Qu'est-ce qui lui arrive à la Corinne? Qui a encore trouvé une pine? Enfin, tu sais... du normal, du banal, un dimanche après-midi, éloigner les enfants du poste. Je veux bien. La Corinne par Pierre Perret. Comme ça, tu vas en savoir plus, Patrick, pour connaître l'intégralité de la chanson. Quand la chouette aux yeux jaunes, la nuit en plein mois d'août, un long cri qui résonne, appelle son hibou. Les braves gens du village, la mine réjouit, savent bien que ce ramage, c'est pas l'oiseau de nuit. Ils disent tiens, c'est la Corinne qui a encore trouvé une pile. La petite noire du garde-chasse, c'est un vrai piège à bécasse. À l'unisson, les paroissiens, Tyriac, ça qui lui fait du bien. Et quand l'hiver s'en vient, sous les premiers flocons, d'un grand coup de surin, on saigne le cochon. Est-ce la bête qui agonise, de qui proviennent ces cris, poussés derrière l'église? Mais les fidèles qui prient disent tiens, c'est la Corinne qui a encore trouvé une pile. C'est celle du berger Bobby, ça le change de ses brebis. À l'unisson les paroissiens, y'a que ça qui lui fait du bien. Elle amena en Afrique son mari Casimir, qui crut entendre un soir un éléphant parir. Mais ce long cri sauvage, cette féroce clameur, les guerriers du village la connaissaient par cœur. Ils dirent tiens, c'est la Corinne qui a encore trouvé une pine, sûrement celle du grand sorcier qui lui agite le couscoussier. À l'unisson les Africains, Tyriac, ça qui lui fait du bien. Dans un transatlantique, sur le chemin du retour, ils croisèrent des baleines poussant des cris d'amour. Mais dans la nuit obscure, ces cris de suppliciés, les marins les reconnurent, ainsi que les plaisanciers. Ils dirent tiens, c'est la Corinne, le capitaine la taquine. À cette heure-là, en principe, il lui fait fumer sa pipe. À l'unisson, tous les marins, Tyriac, ça qui lui fait du bien. Sentant la mort prochaine, elle dit à son époux, je veux un cercueil de chêne avec des nœuds partout. Cette innocente prière fut bien sûr exaucée. Depuis lors au cimetière, quand on entend glousser, on dit tiens, c'est la Corinne qui a encore trouvé une pine. Ses amants n'avaient pas tort, elle peut faire bander un mort. À l'unisson les paroissiens, Tyriac, ça qui lui fait du bien. Cette vie dissolue l'amena pourtant au ciel, pour affronter les foudres du bon Père éternel. Reçue par le concierge, elle poussa un long cri en empoignant sa barbe, mais les anges ont souri. Ils dirent tiens, c'est la Corinne qui a encore trouvé une pine. C'est Saint-Pierre à tous les coups qui essaye son passe-partout. Et le bon Dieu a dit non d'un chien, faudra que j'essaye ça un matin. Et le bon Dieu a dit non d'un chien, ne peut que me faire du bien. Ça, c'est la Corinne. Tu la connaissais pas, la Corinne? Non, mais il y a que vous qui pouvez faire ça. Hein. Non, mais ce qui est génial, c'est que... Tu veux pas essayer de la chanter sur scène? Je peux essayer, mais c'était avec son sourire de bébé. Ouais, c'est avec ses yeux comme ça. On parlait de gestuelle tout à l'heure, on parlait de Brel, on parlait de ces gens-là, mais c'est une force incroyable que de pouvoir... Vous vous rendez compte, le public, comment il a réagi? J'ai vu que tu étais morte de rire, d'ailleurs.
Ça me fait toujours rire, ce genre de, d'humour. Et les deux albums consacrés aux chansons paillardes traditionnelles ont eu un énorme succès. Il y avait eu 4 disques d'or, oui. Et le coffret Trésor de Paillardise, qui regroupe justement ces deux albums originaux et un CD bonus, 9 titres, dont 14 inédits, est sorti. Donc on peut se le procurer avec toutes ces chansons, dont la Corinne. Oui, ça sort là-dedans. Il y a la Corinne, c'est un petit bonus. Quoi. Voilà, c'était un petit clin d'œil en bonus. Bon, je ne vous demande pas qui vous a inspiré la chanson. Parce que les autres sont encore bien pires. Hein. Hein, je ne vous demande pas qui vous a inspiré la chanson. Non. Non, alors, non parce qu'il y a ma femme qui va regarder l'émission. Alors, en revanche, je sais que Bobby Lapointe, il vous a pas mal inspiré. Vous l'avez beaucoup aimé. C'était Bobby, un ami c'était très un proche. Amour. C'était mon frère. C'était un garçon plus gentil. Tu meurs, c'est pas possible. C'était un type modeste, qui avait un talent fantastique. Et alors des jeux de mots incroyables. Là, franchement, mais on ne comprend pas tout d'ailleurs dans ses chansons. Il était fou comme une tomate, mais ça lui allait tellement bien. C'était un amour. Et François Truffaut était tombé sous son charme complètement. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il l'a fait jouer dans son film Tiré sur le pianiste. Oui. Et il l'a fait chanter une chanson, Framboise, que vous avez chantée. Et comme on ne comprenait rien aux paroles, il a sous-titré. Donc il a inventé le karaoké. C'est François Truffaut qui a inventé le karaoké, en fait. C'est vrai. On l'écoute, Framboise. Elle s'appelait Framboise, mais on l'appelait. Non, elle s'appelait Françoise, mais on l'appelait Framboise. Elle s'appelait Françoise. Elle s'appelait Françoise, mais on l'appelait Framboise. Une idée de l'adjudant qui en avait très peu pourtant. Des idées, elle nous servait à boire dans un bled du Maine-et-Loire. Mais c'était pas Madelon, elle avait un autre nom. Et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs elle était d'Antibes, qu'elle avanie. Avanie et Framboise sont les mamelles du destin. Et tout en étant française, l'était tout de même antibaise. Et bien qu'elle soit française, et malgré ses yeux de braise, ça ne m'était pas à l'aise de la savoir antibaise. Moi qui serais plutôt pour qu'elle avalie. Avalie et framboise sont les mamelles du destin. Encore des jeux de mots qui ont beaucoup fait rire Carmen. Je crois que tu connais bien Bobby Lapointe aussi. Bien, ça serait prétentieux, mais je connais, ouais, parce que mon oncle est un grand fan, et donc du coup j'ai découvert ça. Bon, ça me parlait pas du tout quand j'étais petite, évidemment, je comprenais pas grand-chose. Je comprends que je ne comprenais pas grand-chose, mais ouais. En même temps, c'est hyper subtil. Ça m'étonne pas que vous étiez copains. Il y avait un café, le Pipeau, où il prenait son petit déjeuner. Alors certains jours il arrivait en redingote, mais avec le torse nu et les jambes nues. D'autres jours il arrivait en charentaise avec une robe de chambre et un slip, et quelquefois habillé en homme grenouille. Il s'est même produit en homme grenouille sur scène dans les cabarets. Il avait tellement peu de succès que personne ne s'apercevait qu'il était habillé en homme grenouille. Il buvait pas que de l'eau d'ailleurs, hein, l'homme grenouille. Ah non, c'est-à-dire qu'il buvait beaucoup. D'ailleurs, certains soirs, il buvait tellement, et je ne sais pas si Pierre en a été le témoin, qu'il chantait la même chanson en boucle pendant 10 minutes sans s'en apercevoir, et qu'on le sortait de scène pour changer de chanson. Ça pouvait lui arriver, c'est vrai. Aragon et Castille, c'est une autre chanson qui est restée célèbre. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois qu'on la chante même dans les écoles et tout. C'est Au pays, Tagada, de soin de soin. Au pays, Tagada. On la chante Au pays. Je vais essayer, parce que ça va aller de plus en plus difficile avec lui. D'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces de citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces de vanille et citron. Moi j'aime mieux les glaces au chocolat, poêle au bras, mais chez mon pâtissier il n'y en a plus, c'est vendu. Et pourquoi je n'en ai pas pris, tant pis pour lui. Et j'ai mangé pour tout dessert du camembert. C'est vraiment vert, c'est bon quand c'est bien fait. Vive l'amour à ce propos, revenons à nos boutons. Au pays de l'Aragon, il y avait au citron et vanille. Au pays de Gadaragon, il y avait un garçon qui vendait des glaces de vanille et citron. C'est...
C'est quand même génial, parce qu'avec ces chansons qui ont plus de 30 ans, 40 ans, vous avez embarqué tout le monde, quoi. Complètement, parce qu'en plus, c'était surréaliste et c'est ce qu'adorent les enfants. Oui. Les enfants, ils aiment bien les choses insolites qui sont interdites, les mots qu'ils n'entendent pas chez eux, etc. Et Bobby, c'était l'idéal pour ça. Et on a tous fait, dans les cabarets au départ, des chansons de provocation. Patrick, ton album s'appelle Les Choses de la Vie. Est-ce que tu sais que Bobby Lapointe a joué dans le film Les Choses de la Vie ? Oui. Voilà. Je suis toujours fan de cinéma, de ces grands films qui m'ont bercé, en tout cas, qui ont bercé mon enfance et mon adolescence. Les Choses de la Vie, Manon des Sources, Le Parrain, et voilà, ce sont... Cet album. Hein. Oui, ben oui. Oui. On va t'écouter dans quelques instants chanter... un extrait de cet album Les Choses de la Vie. Mais tout de suite, c'est le moment de parler des nouveautés de la semaine et des coups de cœur de Shabada avec Alexandra Baldé qui va nous rejoindre. Alexandra qui est aux aguets toutes les semaines pour trouver des pépites. Et là, tu as été séduite par un mec à la cool. Oui, Manu Larouille. Ah oui. Alors, c'est une bonne contre-maîtrise. Alors, son dernier album s'appelle Un mec à la cool. Alors, sa musique se situe un petit peu à mi-courant entre de la pop, du reggae, de la chanson française traditionnelle. Il écrit ses textes. Alors, ses textes sont simples, mais loin d'être ridicules. De quoi parle-t-il dans son album ? Alors, il nous parle d'un trentenaire qui se retrouve dans une France et avec l'avènement de cette France un peu bling-bling et dans laquelle il ne se reconnaît pas du tout. On va regarder tout de suite un extrait. Retourne là. Et pourquoi pas faire le tour de la terre ? Il est quelle heure ? Au pas des malades. J'ai jamais pris de fusée horaire. Toujours suivi les mêmes schémas. Car la roue tourne. Ah, j'aime bien. Alors, il sera en concert le 8 décembre au Café de la Danse et il est aussi en tournée dans toute la France. Manu Larouille, donc on va retenir ce nom. Et puis la fiancée. Oui, elle s'appelle Claire et elle vient de sortir un disque sous le nom de la fiancée. Alors, je pense qu'elle va faire battre le cœur de beaucoup de gens parce qu'elle a ce petit charme discret, proche de celui de Gainsbourg ou même de Françoise Hardy. Et d'ailleurs, ses influences, c'est Françoise Hardy, Barbara et Brigitte Bardot. La fiancée. J'ai peur de moi, de mes idées, de ce que je pourrais m'inventer. Si peur un jour de succomber à une fenêtre. La fiancée. Donc, merci beaucoup, Alexandra. On va retrouver maintenant cette chanson tant attendue de Patrick Fiori. Parlami d'amor et Mario. C'est une chanson de l'album Les Choses de la Vie. Patrick Fiori. Fiamme di sogno.
l'illusione non è. Dimmi chi sei tutta per me. Patrick Fleury, cet extrait de l'album Les choses de la vie. Pierre, une coutume comme ça dans cette émission, c'est le « je ne peux pas vous laisser partir sans ». Vous savez ce que ça veut dire ? Non. Ça veut dire qu'à la demande générale, on a envie d'entendre une chanson de Pierre Perret vraiment dans cette émission. Et Lily, par exemple, qu'on adore tous. On l'a trouvée plutôt jolie. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des plans. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapée des sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre les choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant. Même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aima un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit: nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle n'aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit: viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un type bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Ainsi que s'achève Shabada aujourd'hui. Merci avec cette belle Lily si émouvante de Pierre Perret.